Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants Mobile. Ici, vit l'énergie. Bonsoir tout le monde. Qui Jean Saté, mercredi 6 novembre, non, dans plusieurs communes qui tout près capitale là, n'a invité au suivre ça sur TNH. On a parlé de démission, occupation, constitution, opposition, manifestation, négociation. Élection, réconciliation, qui solution? Parlement, amendement, autant, mais comment,
de solidarité. Au précis pays, nous avons carré monté. C'est la peine à demander. Sans six bonnes couleurs. C'est haïtien nous. Et puis, nous avons arrêté qui peut date 31 octobre 2019. Gouvernement haïtien a publié nouveau salaire minimum pour plusieurs segments d'activités. À partir du 1er novembre 2019, salaire minimum n'a fixé à 550 gourdes pour 8 aides de travail pour les gens qui n'ont maison de transfert, banque commerciale, maquette, institution scolaire avec agence voyage. Salaire minimum n'a fixé à 500 gourdes pour 8 aides de travail pour citoyens cap travail dans secteur textile. Pour monde cap travail dans secteur minier et vêtements, salaire minimum n'a fixé à 440 gourdes. Salaire a fixé à 385 gourdes pour 8 heures de temps de travail pour citoyens qui dans secteur agricole, boutique artisanat et puis 250 gourdes pour monde cap travail dans caillou. Porte-parole police nationale d'Haïti à commissaire Michel-Ange Louis Jeune by explication mercredi 6 novembre, dans l'opération nettoyage autorité au temps même, mardi 5 novembre, dans la commune Croix-des-Bouquets, spécialement dans le niveau Marassa. Commissaire Michel-Ange Louis Jeune a renouvelé détermination institution PNH pour servir à protéger la population pendant l'invité tout secteur dans la société à protéger la police nationale pour permettre de faire travail. Comme ça doit en suivre plus d'explications. Dans le micro Mildred Milias avec Maxo Joseph. Depuis tantôt plusieurs semaines, la situation est extrêmement difficile à travers plusieurs axes. Et côté des gens qui dressaient des barricades et qui empêchaient l'autre monde qui n'est pas dans la manifestation forcément et vaquer normalement à l'activité. Donc il était important à ce que plusieurs unités dans la police là, et sous leadership commandant en chef là, et via le directeur départemental de la police, le directeur départemental de l'Ouest, le directeur central de la police administrative, pour permettre à ce que plusieurs unités te joignent ensemble et pour te rencontrer avec l'autre entité et en dans l'État pour être capable d'intervenir sur le principal axe que nous avons dit là et Kafouta et Kafou Marassa. Et toute zone ça yo pour être capable de barricader yo pour permettre que la vie et de retourner dans zone ça et dans un premier temps et dans l'autre temps aller dans l'autre zone et qui gagne même problème ça et aussi route nationale qui gagne même problème ça et son façon que pour moun yo être capable de vivre vaquer à activité. Mais d'entrée de jeu forme fait différence entre moun cap manifester et moun qui pas manifester. Les gens qui manifester, c'est des gens qui ont exercé un droit, que loi avec règlement pays a. Et bah, yo, côté la police lui-même, le côté le garant, et pour permettre à chaque monde de jouir pleinement du droit ça. Mais la police là tout, il est tout aussi là pour réprimer et toutes les formes de déviance et tout ça qui dénature à troubler l'ordre public. Et c'est comme ça, dans le cadre pour débarricader les zones sérieuses, donc plusieurs dizaines et de policiers de plusieurs unités te joignent ensemble sur le principal axe. Et dans le moment où tu as acquitté des fonctions, il y a un groupe d'individus qui étaient lourdement armés, qui avaient des fusils d'assaut dans les mains, et qui t'a tiré en direction de la police. Et ils ont passé plusieurs, un bon bout de temps à tirer en direction de la police. Et la police, dans le professionnalisme, et l'idée agit de façon telle pour que pas de victime et pour pas de dommages collatéral dans la zone. Et l'idée gérer la situation jusqu'à ce que l'idée quitte la zone pour permettre que les gens qui sont innocents et dans la zone qui n'est pas forcément amis ou du moins qui n'est pas gagné pour eux avec mode de conduite ça sur le terrain pour eux-mêmes ne pas être victimes. Ce n'est pas seulement et dans la principale intersection ça où nous sommes cités là. Que la police fait face et à situation ça, li fait le tour dans le Balais et li fait le tour dans la Tibonite, li fait dans le nord et plusieurs autres côtés et en dans pays à côté la police a essayé de débarricader et mais pas des monde qui
prend plaisir à tirer sur la police. Et là, on a fait démarcation à Jean-Claude Soudjoula. Ça, il est arrivé trop loin, ou sorti dans la manifestation pour tomber dans le banditisme. Et quand vous tombez dans le banditisme, vous tombez dans une situation où vous devez barricader, ou demander aux gens usagers piétons ou usagers motorisés pour qu'ils aient accès à une intersection à l'autre. Il faut que vous rançonnez, il faut que vous payez, faut que vous payez pour que vous soyez capable de traverser. À ce moment-là, vous venez par un exercice et de droit encore, ou vine pas dans manifestation encore, ou seulement tomber dans ça où il y a le banditisme, et à ce moment-là, l'État, à travers la police et à travers toute entité qui n'a répression infraction, bien pour dégager une synergie, pour être capable de porter réponse et combler à tant de population. Songez que c'est bien tous ces Haïtiens et que y a un seul pays qui veut les Haïti, et chaque fois, il y a crasé, il y a brisé, il y a tué. Et il y a volé, donc ça n'est pas un exercice démocratique, et ce n'est pas ça tout qui est les manifestations, hein, même si nous reconnaître des gens qui investit l'espace public là, c'est essentiellement pour nous manifester, et les gens qui ont fait ce genre d'activité, la police encadre, et nous demandons pour nous très vigilants, pour ne pas quitter les gens qui ont une mauvaise intention, infiltrer. Et sur façon que vous pouvez faire des ordres sur l'espace public là, sous prétexte que c'est manifesté à manifester. Comme il est habitué de faire, il a toujours fait, et que chaque jour manifestation fin passé, ou bien soit en période de une semaine par exemple, ou après, il y a des conférences de presse et qui présentaient bilan des manifestations, hein, soit combien de monde la police a arrêté, combien d'armes ils ont saisi, combien de munitions ils ont saisi. Mais nous, prendre le soin tout pour nous bailler ensemble des dégâts matériels et que les gens qui disent manifester ça ont fait et combien de gens ont arrêté tout pour conduire par devant l'autorité de justice. Donc la police habituée fait, c'est job li et li entend continuer à faire. La police habituée intervient dans les gens qui ont fait des rapages. Dans les gens qui ont fait des ordres, dans les gens qui ont fait des rapages, dans les gens qui ont quitté ça ou les manifestations, mais qui plutôt amusé à voler et qui plutôt amusé à détruire bien les gens. Donc à ce moment-là, la police est toujours là pour intervenir et l'entendre continuer à faire ça. La faire connaître que le siège correctionnel au Paris est fait. Jean Saté prévoit mercredi 6 novembre en pénitencier national. Commissaire gouvernement pour Prince-Lan, maître Jacques Lafontaine, à bail détail dans le micro Rodney d'Orléans avec Max Joseph, sous ça qui la cause audience-là. Paris est fait. On est fort, nous, Téchita avec d'abord. Le bâtonnier de l'ordre des avocats du Port-au-Prince, le doyen du tribunal, pour nous harmoniser, ils ont harmonisé nous sous planification ça. Ce que nous avons fait, mais alors bâtonnier a annoncé nous que l'IDO est réuni d'abord avec conseil pour capable, en résolution prise en conseil, pour capable dire nous est-ce que l'a capable ou non. Donc, nous avons une démarche ça, qui a un caractère administratif et professionnel. Il n'est pas capable de décider pour continuer. Bah, nous avons fait choix de quelques avocats pour t'accompagner nous tenue, siège, audience correctionnelle. Donc, voilà pourquoi nous reporter audience ça, pas en date ultérieure, mais alors dans les heures à venir. Vous allez nous avenir, nous connaissons exactement qui est capable de tenir ou dire ça. Je dis à mes confrères avocats que pas de plus gros mérite et plus gros honneur un avocat qui a gagné lorsque il arrivait libéré un prévenu avec procédure dans le siège correctionnel, dans le siège criminel. Donc c'est meilleur, c'est le plus gros mérite un avocat qui a gagné, il a fait procédure, plaider. Par devant un juge correctionnel, par devant un juge criminel et ou libéré au prévenu, ou libéré un accusé. Et moi, invité tout avocat capable de joindre avec nous pour nous capable de faire siège, pour nous tenir audience, pour que nous capables de décider sous sort prévenu, pour nous capables de décider sous sort détenu. Je demande une trêve moi-même, je ne cesserai de demander cette trêve pour que la justice capable de reprendre droit. Et pour nous fonctionner normalement, et pour nous capables de faire justice à qui justice est due.
Et puis, Jean, nous t'ai annoncé en pile parent à l'été ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle sous réclamation qu'elle direction l'école fait, côté exigé parents yo payer pour élèves yo pendant l'établissement scolaire, ça yo pas fourni service. Ministère de l'Éducation nationale avec formation professionnelle lancé en mise en garde by responsable école concernée qui a inscrit tête dans des messages. Une attitude comme ça, contraire à normes et puis éthique fonctionnement yon l'école. Qui a préclamé l'argent pour un service l'IPABAI. Peut-être ça, ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle mettait direction département éducation au courant pour enquêter sous Kassayo dans l'idée pour constater et puis adopter mesures nécessaires d'après dispositions légales. Autorité centrale a obtenu un rapport DDE pour adopter toute nouvelle décision. Sorti octobre pour arriver novembre, gagnant total 423 migrants qui rentrent dans le pays, d'après coordonnateur Office national migration Jean-Nego Bonheur Delva. Coordonnateur a précisé qu'il travaille pour renforcer la capacité organisationnelle institution et puis continuer à accueillir les migrants haïtiens. Dans l'occasion, Jean-Nego Bonheur Delva a bah, explication sous perspective li pour aider l'institution à bah, plus de services. Yon bout nan déclaration, nan micro Luinel Jean-Louis avec Joseph Michaud. Du renforcement des capacités organisationnelles de l'ONF. Nous disons que ce volet a pour objectif d'améliorer la qualité des services offerts par l'institution. Et pour ce faire, un ensemble de mesures sont envisagées. Celles-ci impliquent des dispositions pour renforcer les cadres normatifs, administratifs et techniques. Pour ce qui a trait à l'accueil des migrants haïtiens de retour forcé, ONM entendit sous 5 points. Premier point, nous parlons de l'augmentation des frais de transport pour les rapatrier ou encore les raccompagner à la frontière compte tenu de la cherté de la vie. Deuxièmement, nous parlons du traitement au cas par cas des rapatriés ou déportés à besoins spéciaux, tels que enfants, femmes enceintes, personnes à mobilité réduite. Troisièmement, nous parlons de l'élaboration et l'application du formulaire unique d'accueil. C'est déjà effectif. Quatrièmement, nous parlons de la disposition des fonds suffisants pour offrir des kits hygiéniques alimentaires, faciliter la communication téléphonique du bénéficiaire avec sa famille, offrir un premier soin, le cas échéant, aux rapatriés ou déportés malades. Et cinquièmement, nous parlons du renforcement de la capacité d'accueil du centre d'hébergement provisoire de l'ONF. Écogénie militaire force la Médéhiti en main en campagne nettoyage dans la région métropolitaine Port-au-Prince. Travail ça qui joue un support ministère Travaux publics, Transports, Communication et puis la police nationale d'Haïti. Rentrer dans quatre démarches l'État haïtien en main pour faciliter l'activité socio-économique qui reprend normalement. D'après une note, bureau secrétaire d'État communication publiée dans date 5 novembre 2019. L'an. Dans notre salle, bureau a fait connaître, chef l'État prend toute disposition pour établir harmonie en mettant toute couche dans la vie nationale. Directeur général, Service national gestion résidus solide, Eudes Lajoie a expliqué. Institution la dirigée a déjà ramassé plusieurs mètres qu'il fatra dans diverses communes dans le pays. Eudes Lajoie déclaré après poursuivre la série nettoyage au côté il a mobilisé plusieurs matériels pour continuer à ramasser fatra sa cap faciliter circulation faite sans difficulté. En suivant un extrait dans le micro, c'est quoi pas qui avec Michel Joseph. On a enlevé plusieurs dizaines de mètres cubes fatra dans la rue. Et nous débloquer en pile barrière, yo te dit que franchissable, que ce soit Delma 48, Delma 32, Delma 30, Delma 47. Ok, nous même nous dit pas de côté, nous te al déblayer tout devant Radio Zénith,
nous avons un marin, nous avons déblé torsel. Alors, nous pensons nous-mêmes, c'est avec le peuple haïtien qui travaille, c'est nous qui avons ben nous mandat, c'est nous qui avons voté le président Jovenel Moïse. Pas aucun autre monde encore qui a empêché nous faire ça que nous devons faire dans l'intérêt du peuple haïtien. Gagné monter la remplaçant équipe, équipe la pas quitté aucun matériel ou aucun équipement campé. Au contraire, c'est ensemble, c'est dans synergie qui développé à travers cellule d'urgence là, travaux publics gain camion, CN gain camion, le moins que gain autour yo dans travail là, même penser que le gouvernement central, pouvoir central là gon effort qu'il fait pour moi. Au contraire, c'est juste une réponse n'a pas bon côté la primature pour yo autoriser une livraison avec anticipation pour nous autres pour que nous ka gagne on l'odeur avec un bako on bok 4 avec 4 camions nous pas gagne un horaire fixe la journée tant qu'on en nuit n'a pas la rue n'a pas toute commune yo dans pays parce que SNGRS c'est une institution qui a vocation nationale. Et ce n'est pas l'air métropolitain seulement qui sale, c'est tout pays qui sale. Faudrait-il que nous rentrions dans la dynamique de sécurité nationale pour que nous puissions faire service dans tout pays. Portail Léogan à Fontamara, zone ça n'en pense nous, et les nécessité une intervention rapide, mais faudrait-il que la police t'a mobilisé en pile pour accompagner nous. Et travail ça non pas qu'à faire la nuit, faut que c'est la journée pour nous faire li. Peu importe embouteillage, ça qu'a créé à circulation, hein. Mais l'important faut que nous déchouquer Fatra un peu partout dans zone métropolitaine là et pour qui pas dans toute République là. Alors sujet dans journal là, responsable parti politique rassemblé pour sauver la caille parasol. Mandé pour tout secteur dans vie nationale a fait une trêve politique. Président Parasol, Yvan Bonhomme, arrêté, écrasé, brisé, pape mène un pays à aucun côté. Pendant encourager tout secteur dans la société à prendre chimé dialogue. On suive plus de détails dans le micro Mildred Milias avec Max Joseph. Parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille Parasol. Constaté, je vous le dis, à cause des problèmes sociaux qui gagnent dans le monde, à cause plus bouche qui gagnent pour manger, qui ont plus besoin, mettez sous problème changement climatique, eh bien le monde est en ébullition. Le monde dans la rue. Il n'y a pas un secret pour aucun monde. Nous sommes Hong Kong, dans la rue. Nous sommes la France, les gilets jaunes, dans la rue. Nous sommes Pakistanais yo, dans la rue. Nous sommes Irakiens yo, dans la rue. Nicaragua dans la rue. Soudan dans la rue. Algérie dans la rue. Et récemment encore, Kounia, nous jouons encore qui est-ce qui va entrer dans Bagala, c'est Pérou avec dernière élection. Yo. Parti politique patriote rassemblé pour sauver la caille. Parasol a lancé un appel ferme by tout monde qui a fait politique dans le pays, by population haïtienne en général, by la presse en particulier, pour nous dire un gros danger qui menace le pays, qui pire de passer avant 86, qui c'est danger, ça a la pensée unique. N'a dit la presse en particulier, tout le monde qui a alimenté pensée unique journée aujourd'hui, eh bien, il fait bâton en vire bout. Époque papadoc, baby doc, il a été utilisé peuple qui a été les miliciens attachés, qui a été capable de faire bagaille pensée unique qui a passé. Journée aujourd'hui, il y a l'autre frange dans la communauté. Sorti pour utiliser peuple encore pour faire penser unique au passé. Nous mêmes comme parti politique responsable et avant-gardiste, n'a dit quel que soit monde qui remet Haïti, qui remet intérêt peuple là, eh bien ou pas capable encourager violence.
ou pas capable à encourager pour si moun pas capable à l'école. Nous sommes à regarder bataille qui fait Nations Unies qui a fait un peu partout dans le monde contre changement climatique. Côté des lycéens, des petits moun l'école un peu partout sur toute planète là à l'exception d'Haïti, a réclamé dans mes grandettes nous yo qui volait avenir yo, qui volait futur. Et je vous dis, le dirigeant politique, quel que soit côté au campé, ou pas de si moun à l'école, eh bien ça veut dire, ou voler avenir si moun sa yo. Nous même comme parti politique responsable, c'est avec un pile tristesse pour vous nous dire, n'attendez des soi-disant juges. Dans le cours de cassation, si c'est vrai, tu as rentré dans la combine pour remplacer un président démocratiquement élu. C'est un point en plus qui démontre que le pays est malade dans tout le compartiment. Et nous rappelé magistrat dans le cours de cassation, ça qui est passé récemment avec le président provisoire Boniface Alexandre, a causé contre nous, on combine en marge de la loi pour te bailler candidat Siméus droit pour l'élection. Et dès lors, le président Boniface Alexandre est obligé de voir tout juste à yo aller. L'autre sujet dans le journal, le président de l'association touristique Haïti, Raina Forme, a exprimé inquiétude dit sous quantité de problèmes. Le secteur touriste fait face à cause de la conjoncture politique actuelle pays. Raina Forme a rappelé l'importance du secteur ça pour l'économie pays. Pendant qu'il souhaitait tout acteur concerné rejoindre une entente pour mettre bout dans la crise. Là. On écoute un bout dans la déclaration dans le micro TNH. Situation. Secteur touristique là très fragilisé aujourd'hui. Hein. Il est fragilisé depuis juillet 2018. L'événement pays là qui a commencé. Ok, on a rappelé nous bien ça qui était passé Pétionville. Jour qui était 6 ou 7 juillet de l'année dernière. Donc depuis là, en réalité, il y a un pile pays étranger qui était mettait des travel warning. Sur Haïti. Ça travel warning, c'est des messages que vous postez à l'échelle internationale qui dit moun pas voyager dans le pays sa yo parce que le pays sa yo pas capable de garantir la sécurité sous le territoire. Là. Donc, vous avez les États-Unis et le Canada qui ont mis des travel warning sa yo, qui ont vu un impact très négatif pour nous. Ça a un impact que les touristes, les visiteurs étrangers ne viennent pas rentrer parce que yo y a des restrictions. Ou bien yo peur rentrer et même diaspora tout qui toujours remet pays li toujours voulait voyager même diaspora te trouver parfois très inquiet par rapport à la situation et yo te éviter rentrer donc j'ai quelques chiffres effectivement par rapport à année 2016 et année 2019 par rapport à nombre de vols qui étaient rentrés dans pays là nous voit que en septembre 2016 nous t'ai gain 550 avion qui était rentré dans le pays pour moi septembre. Par rapport à septembre 2019, nous avons 273 vols qui rentraient dans le pays. Donc automatiquement, quand il y a une grande diminution de trafic aérien, ça a un impact sur tout le secteur touristique. Pour des encadrés quand même, il y a plus ou moins t'es dégagé au mieux. Sa dernière temps devient beaucoup plus compliqué à cause du blocage de route. Mais si nous considérons le sud avec route, carrefour, etc., Martissant qui est toujours très difficile à percer, ok, zone sud là vraiment ça fait plus que un an que yo anéanti complètement. Donc yo pas déclaré que yo fermé, yo pas déclaré que y a fait faillite, y a goumen, yo kembe, là yo bon opportunité, yo là, yo ouvri pour recevoir moun yo. Mais en réalité, Sud-Lan est énormément affecté par accès routier qui manquait. Et je dis, pour revenir à la question par rapport à la Côte des Arcadins,
en pile dans l'hôtel, il y a des difficultés parfois pour faire arriver mon yon dans côte là. Parce que encore une fois, nous avons un pile petit foyer de blocage tout au long de la route de, qui amène vers la côte des Arcadins. Donc ça sont l'autre préoccupation importante pour nous. C'est que faut que gagne des trajets qui sécurisés pour que touristes soient capables de circuler librement, paisiblement et en sécurité. Sinon nous pas capable faire développement touristique dans pays si nous pas capable assurer transport passagers. Dans le passé jusqu'à enfin après tremblement de terre là, tu as un pile effort qui était fait pour faire investissement touristique. Et là, on parle de à peu près 220 millions de dollars d'investissement dans le secteur. OK? Par rapport à 2018, que il était baissé à 30 millions de dollars seulement dans le secteur. Donc, ça veut dire que nous avons fait une étude de marché. Nous avons une situation économique pays. Nous n'avons pas encouragé à investir, ce qui fait que nous avons un ralentissement énorme au niveau de l'investissement dans le secteur. Et si l'étude de marché a prouvé que comme on pas rentrer dans un délai qui raisonnable ou bien qui rentrer dans planification qui a été faite dans budgétisation yo simplement pas faire et on t'a même attiré attention aussi sur le fait que ces dernières années ou gagne en pile firme internationale qui t'est venu installer dans secteur touristique là ou gagne Best Western qui t'est venu ou gagne ANH qui t'est venu ou gagne Marriott qui t'est venu gagne plan pour Marriott au Cap tout. Donc ça c'est des grands firmes internationales qui te voient que tu as une belle possibilité pour que tu installé en Haïti. Jodian, j'en connais gain qui déjà annoncé fermeture yo. Donc là encore l'autre entreprise étrangère qui te gain des regards sur Haïti, le fait que ouais que ça yo prend décision pour fermer, yo pas nécessairement vle venir risquer et investir dans pays. Donc là encore, son autre impact qui peut durer longtemps avant que l'international reprenne confiance dans la destination pour qu'il soit capable de retourner et venir investir dans le pays. Le smartphone que nous, chaque nous gagnons en main, ok? Réflexe que nous, chaque nous gagnons en main avant que rien passe, vous voyez sur WhatsApp, son bagage qui a un impact très négatif sur l'image du pays. On va prendre un caoutchouc à bouler dans un aéroport là, mon New York, 5 minutes plus tard, vous avez un connaît. C'est ça qui n'est pas bon. L'autre Saint-Domingue et Jamaïque, pays ça yo, la presse, l'État ont contrôle sur ça qui sorti comme information sur pays yo. Chaque citoyen dans pays ça yo tellement valorisé touriste et secteur touristique là que yo pas promouvoir image négative ça yo de pays yo. Là nous transférer toute information négative ça yo et que il est arrivé en 5 minutes by toute diaspora. Yo pas envie venir ici là parce que yo travaille du pour yo faire ti cob yo, yo envie venir en vacances, yo pral Saint-Domingue pito, yo pral Jamaïque pito, yo pral Barbade, yo pral Bahamas. Et pour qu'on y a nous pral connaître comment Goodland est par rapport à l'autre devise. N'a pas observé une pause commerciale, n'a tenu dans un petit moment. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Vin assuré pour pas nos têtes chargées. Quatre avantages santé, c'est quatre la soignage là. Quel que soit l'âge ou adjoint la soignage. Peuple haïtien, mais ça ne t'attend. Dash, vin avec une coquine chaîne 4 santé pour nous. 4 la soignage là. Femme enceinte, grand monde. Si moun, étudiant, commerçant, ke ou gaya, ke ou malade, vin pren 4 la soignage pa ou la. Ak seulement 1500 goud, ou ap jwenn 4 la soignage pendant 6 mois ak yon kokin chin service. Consultation gratis nan men plis pase 40 docteurs, médicaments génériques à gogo pour 50 goud chaque. Examen laboratoire pour 50 goud chaque. Vin pren 4 la soignage pa ou la. Santé Pam, c'est Dash.
Passez près de PAO dans toute clinique d'Achio à tout côté qui marque 4 avantages santé en vente ici. Pour plus d'informations, relevez dans 37 30 32 65. 4 avantages santé, c'est 4 la soignage là. Levé caoutchouc sin top tête chat sa yo encore. Mais pas gamin, c'est sale caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine ou va jeune yo tout côté pour rouler capoté. OK. Pas oublier top taise. C'est fun wash, chire route, coche clou. Ah, gonji boule m'bajwe. Vend moi 4 caoutchouc. De quel gros cher oublé? Top tire, c'est fun wash, chire route, coche clou. Dans l'actualité internationale, le lancement officiel de campagne électorale pour élection législative dans le Royaume-Uni en fait mercredi 6 novembre. Non, élection législative, c'est qui prévoit pour 12 septembre 2019 afghan pour déterminer prochain chef gouvernement et puis renouveler la chambre au Royaume-Uni en suivant. Dans 5 semaines, Britannic yo pral gagner pour décider qui est cap diriger Royaume-Uni. D'après sondage yo, actuel chef gouvernement britannique là, Boris Johnson nan tête lisyo, après elle gagner chef parti libéral démocrate yo, Joe Swinson, qui lui-même tout souhaitait venir prochain premier ministre pays ya. Même si chance pour ta venir troisième femme premier ministre Royaume-Uni après Margaret Thatcher et puis Theresa May mess en pile d'après sondage yo. Parti libéral démocrate yo ta doué joindre quelques sièges, ça qui t'a capable permettre yo jouer rôle clé dans un parlement minoritaire côté aucun parti pas ta gagner majorité absolue. Pour un pile britannique discours dans Westminster yo pas suffit pour convaincre yo, yo mandé candidat yo mener campagne yo dans tout pays ya. Campagne électorale là qu'a lancé dans ville Essex côté opposant gouvernement même parti travail yo doit chita parler sous Brexit là. Depuis lancement élection yo, un pile jeune moins passé 25 l'année inscrit pour y aller voter, ça yo pas caché inquiétude yo sous impact vote yo capable gain sous Brexit là. Élection ça yo qui prévoit pour 12 décembre 2019 dans Royaume-Uni. Dans ville Pékin, pays la Chine, président français Emmanuel Macron ensemble avec Tokay chinois Xi Jinping manifesté soutien yo ak accord Paris. Sous climat, États-Unis sous Bhopal annoncé officiellement retrait dans l'accord lundi 4 novembre. Mercredi 6 novembre, c'est dernier jour visite président français Emmanuel Macron dans ville Pékin dans pays la Chine. Emmanuel Macron avec Tokay chinois Li Jinping manifesté soutien à l'accord sous climat alors que États-Unis annoncé a sorti officiellement. Le dirigeant a réaffirmé soutien à l'accord Paris et considéré tant qu'un processus qui n'a pas changé et qui est une boussole pour une action importante sur le climat.
d'après une déclaration qui publiée après un entretien entre président français Emmanuel Macron et Tokay chinois Li Jinping. Deux présidents ont souligné détermination pour améliorer la coopération internationale là sous changement climat dans l'idée pour assurer appliquer l'accord Paris dans toute intégralité là. La Chine et la France concluent dans quatre visites ça un accord 15 milliards de dollars d'après une annonce présidence chinoise. Depuis son mandat tout signé à partir 31 janvier 2020, il y a un accord final sur construction d'une usine traitement combustible nucléaire usagé. Et c'est la journal en bout de poisson, après appeler au pico.org avant nous aller, gouvernement augmenter salaire minimum dans le secteur textile là. Ouvrier doit toucher 500 gourdes pour une journée de travail à partir 1er novembre 2019 là, d'après un arrêté présidentiel qui portait date 31 octobre. Quand j'ai les militaires force l'armée d'Haïti, non tête collée avec le ministère des Travaux publics, transports, communication et puis la police nationale d'Haïti, tant mais une campagne nettoyage dans la région métropolitaine Port-au-Prince pour faciliter l'activité socio-économique et reprendre normalement d'après notre bureau secrétaire d'État communication. Porte-parole police nationale d'Haïti, commissaire Michel-Ange Louis-Jeune, by explication sous diverses opérations PNH menées dernier jour. Le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle lance une mise en garde contre toute responsable école qui a exigé parents pour élèves, pour parents payés pour élèves vieux pendant l'établissement scolaire, ça n'a pas fourni service pour ça. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dit déjà recevoir plainte. Bon côté, en pile parents qui allaient être ministère sous réclamation diverses directions de l'école. Comment ça a été mercredi 6 novembre dans plusieurs communes qui sont près de la capitale, nous avons plusieurs images sous TNH. Et puis, campagne électorale pour élection législative dans le Royaume-Uni lancée officiellement mercredi 6 novembre. Non, élection SAIO qui prévoit pour 12 décembre 2019 doit déterminer prochain chef gouvernement et puis renouveler la Chambre non pays. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal TNH pour jeudi mercredi. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. À bientôt.